Tout autre chose maintenant avec une nouvelle étude scientifique qui s'intéresse au langage. Comment les bébés, en effet, acquièrent-ils le langage? Alors pour le savoir, on se rend tout de suite à l'École normale supérieure de Paris où Laurence Vauvillard a rencontré des spécialistes pour répondre à cette question. Si je vous dis « je dase »,« tu dase », »,« nous dasons », vous comprenez pas, c'est normal, c'est un nouveau mot qui a été inventé ici à l'École normale supérieure de Paris, au Babylab, pour comprendre comment les enfants acquièrent le langage. Le but de cette étude, c'est trouver comment les enfants devinent le sens des mots. Quand l'enfant entend un mot inventé comme « nuve » dans un contexte de verbe, comme « il nuve », il en déduit que sans doute ça réfère à une action. Et on se demande comment il a fait pour apprendre ça. On suppose que peut-être l'enfant part de quelques mots qu'il a réussi à apprendre juste en regardant autour de lui. Des mots comme « elle mange »,« elle boit »,« elle regarde ». Et puis à partir de ces mots, il repère dans quel contexte ils se produisent et ensuite il généralise à des mots nouveaux. Tu nues, tu dases. Dans cette étude, c'est ce qu'on voit. Au début, le petit oiseau présente ses deux mots nouveaux et des mots qu'il connaissent bien. Donc elle nuve, elle dase, elle mange, elle boit. Ensuite, au moment du test, on présente les mêmes mots, soit dans un bon contexte de verbe, tu nuves, tu dases, soit dans un contexte qui devrait être surprenant, comme une nuve et une dase, auquel on ne s'attend pas si on a conclu que nuve et dase étaient des verbes et référés à des actions. Et pour ça, on mesure simplement leur temps de regard vers l'oiseau. Quand ils sont surpris, ils vont regarder plus longtemps l'oiseau. Tu nuves, tu dases. À 15 mois, Nathanaël vient de décrocher son premier diplôme, un diplôme de l'École normale supérieure. Pas mal. Irène a 22 mois, elle va travailler sur les subtilités de la langue française. Tu vois la petite porte? Tu vois la petite porte? Ce qu'on essaye de voir, c'est comment les bébés peuvent utiliser le contexte dans lequel ils entendent un mot nouveau pour deviner ce qu'il pourrait vouloir dire. Par exemple, un mot comme souris, ça peut être un verbe comme il sourit ou un nom comme une souris, avec deux sens complètement différents. Oh, regarde, le bébé sourit. Tu vois, le bébé sourit. Oh, regarde, le bébé sourit. Par exemple, si sur ces images, si je vous dis « Oh, regarde, le bébé sourit », vous allez comprendre que je parle du bébé qui sourit. Si je vous fais « Oh, regarde, le bébé sourit », eh bien, vous allez regarder de ce côté-là. Et effectivement, des bébés de 20 mois font déjà la même chose. Donc en moyenne, assez souvent, ils vont écouter la voix et regarder du côté où on leur demande de regarder. Mais pas toujours. Supposons que le petit chat, il le trouve adorable parce que ça ressemble au chat qui est dans leur livre d'images. Il peut y avoir plein de facteurs qui font que les bébés ne vont pas faire exactement ce qu'on leur demande de faire. C'est des bébés après tout. Mais quand on fait la moyenne sur tout le groupe d'enfants, à ce moment-là, on peut faire des statistiques, on en conclut qu'effectivement, en tant que groupe, les bébés sont capables de faire ce qu'on leur demandait de faire. Ces études ont permis de démontrer que les stratégies d'apprentissage d'un adulte et d'un enfant sont différentes. Un adulte qui veut acquérir une nouvelle langue va traduire sa langue maternelle. Et donc, ces recherches devraient permettre de déboucher sur des nouvelles techniques d'apprentissage des langues. Voilà, comme le sujet vous passionne, vous pourrez également retrouver ce reportage dans le numéro 3 du magazine Les Carnets de Sciences, publié par le CNRS et vendu en kiosque. C'est important de le préciser.